Là où détour Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre en direct sur Vatican Media, Radio Vatican depuis la place Saint-Pierre pour la récitation de la prière de l'Angélus de ce dimanche 16 juillet, 15e dimanche du temps ordinaire année A avec le pape François qui, dans quelques petites minutes, fera son apparition à cette fenêtre des appartements pontificaux. Avec vous pour les commentaires de ce dimanche, Françoise Nyamia. Nous saluons tout de suite ceux et celles qui nous suivent par le canal de nos télévisions et radios partenaires, Radio Salve Regina en France, Radio Fidélité Nantes, EWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, Celle et Lumière TV, Radio TV catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Nous saluons également vous qui nous suivez via notre site internet, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Une place Saint-Pierre très colorée avec beaucoup de parapluies. Le soleil est présent. Des banderoles et autres drapeaux. Le pape qui, dans quelques instants, donc, fera son apparition à cette fenêtre pour ceux qui ont les images pour la récitation de la prière de l'Angélus qui sera précédée comme d'habitude d'une exhortation qui certainement portera sur l'évangile du jour, l'évangile selon Saint Matthieu qui nous relate la parabole du bon semeur. Alors nous attendons le pape qui, on l'a dit, fera son apparition dans quelques petits instants pour entretenir tout ce beau monde de la place Saint-Pierre, des milliers de pèlerins, de touristes qui ne manquent pas d'être au rendez-vous tous les dimanches. En attendant le pape, parlons de cet événement qui arrive à grands pas, les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ 2023, du 1er au 6 août 2023, pour ne pas se répéter, où au moins 1 million de jeunes sont attendus. Venant du monde entier, sont attendus à Lisbonne, la capitale portugaise, pour prendre part à ce rendez-vous mondial autour du pape et centré sur la personne du Christ et sa parole, et sous le regard maternel de la Vierge Marie. Des journées en honneur donc de la Vierge Marie avec comme thème Marie se leva et partit en hâte. Ça sera l'occasion d'envoyer tous ces jeunes qui vont effectuer le déplacement en mission. Mais avant, certaines délégations nationales là, sont en route pour Lisbonne. Pour ceux qui ont la chance d'avoir les visas, sont déjà à Lisbonne. Et ce matin, le papa a reçu une cinquantaine de jeunes pèlerins argentins du diocèse de Cordoba, le pape qui les a accueillis donc, qui les a encouragés et qui a comparé ces Journées mondiales de la jeunesse à un championnat du monde de la fraternité. Alors, ça sera l'occasion pour tous ces jeunes venant de tous les continents, de partager, de fraterniser autour de la parole du Christ. Voilà. Dans quelques instants, donc, le pape sera là pour son exhortation et suivi de la prière de l'Angélus. Le pape qui, cet moment, aura des appels à lancer après la récitation de la prière de l'Angélus. Nous attendons toujours et nous profitons pour dire merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de votre fidélité. Et voilà le rideau qui s'ouvre. Les clameurs pour saluer le pape, voilà, qui monte à cette fenêtre, qui va dans quelques instants donc prendre la parole. Le pape qui salue tous ces pèlerins. De très belles images de la place Saint-Pierre. Cari fratelli et sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi il Vangelo ci presenta la parabola. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente la parabole du semeur. Le semeur est une très belle image. Jésus utilise pour décrire le don de sa parole. Imaginons une graine. Elle est petite, à peine visible, mais elle fait pousser les plantes qui portent du fruit.
La parole de Dieu est ainsi. Pensons à l'Évangile, un petit livre simple à la portée de tous, qui produit une vie nouvelle pour ceux qui l'accueillent. Si la parole est la semence, nous sommes la terre. Nous pouvons la recevoir ou pas. Mais Jésus, le bon semeur, ne se lasse pas de semer avec générosité. Il connaît notre sol. Il sait que les pierres de notre inconstance et les épines de nos vices peuvent étouffer la parole. Mais il espère toujours que nous pourrons porter un fruit abondant. C'est ainsi que fait le Seigneur. Et c'est ainsi, et c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi, semer sans se lasser. Mais comment semer sans se lasser? Prenons quelques exemples. Tout d'abord, pensons aux parents. Ils sèment le bien et la foi dans leurs enfants. Et ils sont appelés à le faire sans se décourager. Et si parfois ceux-ci ne semblent pas comprendre ou apprécier leurs enseignements, ou si la mentalité du monde va dans le sens contraire, la bonne semence demeure. C'est ce qui compte. Et elle prendra racine en temps voulu. Mais si cédant à la méfiance, ils renoncent à semer et laissent leurs enfants à la merci des modes et des smartphones, sans leur consacrer du temps, sans les éduquer, alors la terre fertile se remplira de mauvaises herbes. Chers parents, ne vous lassez pas d'enseigner vos enfants. Regardons ensuite les jeunes. Eux aussi peuvent semer l'Évangile dans les sillons de la vie quotidienne, par exemple avec la prière. C'est une petite graine que l'on ne voit pas, mais avec laquelle on confie tout ce que l'on vit à Jésus, qu'il peut faire mûrir. Mais je pense aussi au temps que l'on consacre aux autres, aux plus nécessiteux. Ce temps qui peut paraître perdu est une réalité, un temps saint, tandis que les satisfactions apparentes du consumisme et de l'hédonisme nous laissent les mains vides. Et je pense aux études qui sont fatigantes et ne donnent pas de satisfaction immédiate, comme lorsque l'on sème, mais elles sont indispensables pour construire un avenir meilleur pour tous. Nous avons parlé des parents et des jeunes. Parlons à présent des semeurs de l'Évangile. De nombreux bons prêtres religieux et laïcs engagés dans l'annonce qui vivent et prêchent la parole de Dieu, souvent sans succès immédiat. N'oublions jamais, lorsque nous proclamons la parole, que même là où rien ne semble se passer, en réalité l'Esprit Saint est à l'œuvre et le royaume de Dieu grandit déjà à travers et au-delà de nos efforts. C'est pourquoi nous devons avancer dans la joie. Souvenons-nous des personnes qui ont planté la semence de la parole de Dieu dans notre vie. Elle a peut-être germé des années après que nous ayons croisé leurs exemples, mais c'est précisément grâce à eux que c'est arrivé. À la lumière de tout cela, demandons-nous, est-ce que je sème le bien? Est-ce que je me préoccupe uniquement de récolter pour moi-même? Ou est-ce que je sème aussi pour les autres? Est-ce que je sème quelques graines de l'Évangile dans ma vie quotidienne, dans mes études, mon travail, mes loisirs? Est-ce que je me décourage ou comme Jésus, est-ce que je continue à semer? Mais si je ne vois pas des résultats immédiats, que Marie, que nous vénérons aujourd'hui comme Notre-Dame du Mont-Carmel, nous aide à être des semeurs généreux et joyeux de la bonne nouvelle. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelum nunciante, Christi Filium tuum incarnatione coniob, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, le pape qui vient d'impartir sa bénédiction apostolique après la récitation de la prière de l'Angélus, nous allons l'entendre. Chers frères et sœurs, je vous salue tous, Romains et pèlerins venus de divers pays. Je salue les religieuses du Seigneur apostolique qui sont réunies à Rome pour leur chapitre général. Le pape qui salue maintenant la communauté du Cénacle qui célèbre ses 40 ans de fondation. Ce dimanche, je bénis la Madre Elvira et toutes les fraternités amies de cette communauté du Cénacle. Merci. Voilà. La communauté qui célèbre ses 40 ans. Je voudrais rappeler qu'il y a des années, le 19 juillet, il y a 80 ans, le bombardement du San Lorenzo, ici même en Italie. Le pape qui fait souvenir de ce bombardement. Et aujourd'hui encore, cette tragédie se répète. Comment est-il possible? Avons-nous perdu la mémoire? Que le Seigneur ait pitié de nous et libère l'humain de la tragédie de la guerre. En particulier, prions pour le très cher peuple ukrainien qui souffre tant. Je décide de saluer toutes les paroisses qui organisent des activités pour les jeunes et les enfants. Merci à ces prêtres, à ces animateurs, à ces religieuses. Et le pape qui parle à présent du Gifoni Film Festival pour les jeunes. À vous tous, je vous souhaite un très bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je le fais pour vous. Bon déjeuner et au revoir. Voilà, ce sont les paroles du pape du pape François, qui a, dans son exhortation, invité à semer sans se lasser, à être des semeurs généreux et joyeux de l'Évangile. Et c'est à cela que le pape nous a invités dans son exhortation. Et après, le pape qui a salué tous ceux qui ne cessent de se dévouer pour la cause de la paix, il a aujourd'hui encore prié pour l'Ukraine en se souvenant de ce bombardement de San Lorenzo.
Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina, Radio Fidélité Nantes, IWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, Radio TV Catholique Liki à Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Merci de nous être fidèles. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus. À très bientôt.